Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organisent deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtement, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, Marie-Esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, 55 bis Avenue Galine, 69100 Villeurbanne. Prendre tram Terminus 4 ou Terminus 1, gare par Dieu direction Charpennes, arrêt Condorcet. Contact 0033 78 08 60 057. 0033 76 24 02 484. Vous êtes sorcier. Hein? Je vous demande, c'est pas là où vous dites. Hein? Eh, sorcier. Vous mangez. Abouti la nuit. T'es sorcier. Viens. T'es venu à qui? Hein? Non, tu dois avoir une famille au moins. Viens ici. Qui paie maison que tu voulais? Hein? Et tu n'as pas parent. Tu es descendu du ciel ou bien. Tu n'as pas famille à côté. Maman est ici, mon père est ici. C'est moi qui. Excuse-moi si c'est trop demandé, tu es de quelle région? Hein? De Baoulé. Et il n'y a personne. Souvent quand les gens peuvent accompagner, c'est difficile. Hein? Ouais, parce que nous ici, il faut que quelqu'un t'assiste. Ouais, c'est parce que c'est difficile. Hein? Quoi ça? Je suis qui j'en ai fait. Faut pas retourner ça contre nous demain. On va t'aider. Faut pas retourner ça contre nous demain. Tu es sorcier comment? J'ai travaillé en grès chez les Indiens, ma voisine. Elle a préparé la carrière sauce grecque. Non, sauce graine. Arrêtez ça, les sorciers. Elle est venue me donner pour manger la même. Elle t'a invité chez elle. Elle a fait la sauce crème. Elle est placali. Il y a Claude là. Ah, c'est bien. Polo là, j'explique pour ceux qui ne savent pas. Polo, c'est peau de bœuf fumée. Ah, je n'ai que. Sur la maison, polo. On a sa moue. Et puis dans la sauce, quand tu manges, ça reste tranquille. Les rêves que tu vas faire, la reste tranquille. Reste bien. Tu rêves très bien. Tu signes tous les dossiers. Là, tout le monde connaît les petits coins de Plakali et Abidjan. Si, si. Force. Tu as fait quoi un café? Plakali. Vas-y. Elle m'a donné la galie. Viens. La galie. Il y a son grec. Il y a son grec. Et j'ai la nuit et la nuit. Elle dit, j'ai tué pour mon pote. Ça t'écoute? Quand elle a dit ça, quand elle m'a dit, je lui ai donné. Non, tu n'as pas bien parlé. J'ai dit qu'elle m'a dit ça. Hein? J'ai dit tant, puis je lui ai donné. Quel temps tu as donné? Côté paternel, je lui ai donné. Elle n'a pas de nom? Elle s'appelle Tati. Comment tu allais prendre la carte? Parce
Parce que quand elle est venue, elle m'a donné 20. Oui, on sait. Elle m'a donné, je ne pouvais pas me transmettre. Elle m'a donné pour moi de 7 ans. Parce qu'elle m'a donné. Elle m'a donné. Elle est belle, non? Si vous marchez dans la rue, soyez sage. Oh, maman vient ici. Eh, fais, la soeur. Viens. Tu veux donner ton numéro? Elle va te manger la nuit. Et Dieu nous protège. Moi, tu es couché, tu ne sais pas qui est couché à côté de toi. Ah. Ah. Et comment tu as donné ta. Elle m'a donné pour voir de ses. Ici, on filme, hein? Oui, papa. Ça ne te gêne pas. Ça ne te gêne pas. Hein? Ça ne te gêne pas. Parce que tu es. Ok. Donc, tu as. Je vois tous les jeunes, sont en train de dire, si je quitte ici, ma copine est là. Si je quitte ici, il faut qu'il y envoie aussi le scanner. C'est pas écrit ici, là, vous dit, je suis sorcier, tu as pourri. Si tu m'as écouté, maman, tu dis, je suis sorcier, tu n'as pas vu. C'est bien. Capté ton travail, tu as compris. Mmh. Donc tu as vu sur le net, tu as vu ça sur internet. Et puis, qu'est-ce qui t'a attiré? J'ai vu les gens parler qu'on les délivrait de la sorcellerie. Tu te trouvais dans ce genre de trucs aussi? Oui, papa. Parce que les gens disent que souvent on monte les gens. Souvent hein. Les gens nous insultent, disent que c'est des montages. Ils nous insultent. Moi, je suis venu voir si c'est montage, je dis que c'est la vérité. Mmh. Je suis venu pour m'aider. Mmh. Donc tu es convaincu qu'on peut t'aider. Elle est où ta soeur? C'est moi. Et qui a tué ta soeur? Elle-même, elle est aussi. Non. Qui l'a tué? Ma soeur, c'est pas moi. C'est qui? Elle est sorcière. Mais qui l'a tué? Un sorcier doit lui-même se tuer. Tu vois, non, tu es venu là. Oui. Par contre, tu vas faire un pas derrière. Oui. Dis pas non. Si j'insiste, c'est qu'il a vu quelque chose. Donc, il faut parler. Parce que je t'ai posé la question. Oui, maman. J'ai dit, je ne pouvais pas prendre ton dossier parce que je ne t'ai pas fait accompagner. Parce qu'ici, là, il faut que quelqu'un te fasse accompagner pour que demain, on puisse être sûr qu'il y a un suivi qui se fait après. Maintenant, toi, il faut être à mesure de nous dire ce qui est clair. Parce qu'il y a des choses que tu dois dire, peut-être que tu n'as pas envie de dire des choses, mais moi, je vois des choses. Dis-nous clairement ce que tu as fait et qu'on progresse. Ma soeur, elle est un sorcier. Je t'ai pas dit qu'est-ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle n'a pas compris la situation. Elle va pas. Qu'est-ce que tu veux au juste? Parce que je ne sens pas que elle parle des choses. Tu n'as pas envie de faire sortir. Qui l'a tué? Papa. Ah, je ne sens pas que tu parles bien. Qui l'a tué? Pas seulement. Tu as vu la vieille hier là? Oui, papa. La vieille a parlé bien. Elle a été délivrée. Ces milliers de démons là sont partis. Papa, c'est moi. Ah, mais tu ne peux pas dire. Donc, au juste, qu'est-ce que tu veux? Oui, parce que quand tu viens ta délivrance, il faut dire. Oh, quand tu nous mets dans le doute. Hein, tu dis des choses puis en même temps, mais ça veut dire que tu n'es pas sincère. Tu es là pour quoi? Tu as mission? Oui, maintenant tu es là pour quoi? Mais la délivrance, toi-même tu dis que tu as vu avant de venir. Mais tu sais comment on travaille? Ou bien, si toi-même tu as vu déjà, tu dois savoir comment nous travaillons aussi. Oui, ça là, pour nous c'est pas étranger. Sorcier veut dire tuer.
Donc si tu dis que tu es, c'est normal, toi t'en as fait ton travail de sorcellerie. Parce qu'elle-même est sorcière. Oh, laisse affaire de elle-même, elle est sorcière. Oui, je sais pas expliquer. Ah, tu viens de me l'expliquer. Mets-toi là. C'est joli, hein? Tout est dans ta. Oui, mais tu es belle quand tu es dans Nini Nini. C'est pas toi. Tu manges pas là-bas. Tu manges pas. Vous la regardez. Je vois que les gens sont en ah, moi-même j'ai une à côté là, il faut qu'elle vienne le week-end. Pour la scanner un peu. Hein? Elle est venue pour me tuer. Comment tu es arrangé? Attaque ceux qui m'attaquent, c'est ça? Attaque ceux qui m'attaquent. Elle a attaqué, c'est qu'elle a attaqué. Comment c'est passé? C'est comme serpent. C'est que quand tu vois, tu fiches le sang. Pas doucement. Tu expliques les choses clairement. Tu suces le sang. Tu suces comment? Je suis. Je bois. Ah, tu suces c'est quoi? Ok, je bois. Qui fait que sucer là? Oui, ce qui fait là. C'est pas toi qui suces. Je bois. Je bois, ok. Comment tu l'as tué? Toi-même, tu nous connais, tu dis tu as regardé sur Internet. Tu nous connais après de nos questions là. Nos questions. Ah, tu connais. Allons-y. Le sang. Hein? Non, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui restent dans ta gorge. Oh, moi, c'est ce qui va sortir. Ok. Je prends son sang. Comment? Par le pouvoir du serpent. Comment tu deviens serpent puis tu vas boire ça? Vous avez compris? J'ai une fille à côté, on dit elle boit ça. Ton sang, c'est bizarre. Comment quand tu fais? Tu dis, tu parles, oui, je vais devenir. Ta soeur, tu allais tuer là. Comment tu as procédé pour aller tuer ta soeur? Quand j'ai serpent. Et puis je suis partie d'une maladie. Non, où il y a sang là, non, on va écouter. Il faut laisser faire des maladies là. Quand tu dis quand tu deviens serpent, tu chuches le sang. Nous, ça nous intéresse de savoir des choses. Donc tu fais comment? Comment tu rentres dans sa maison où tu la trouves et puis tu bois ton bissa? C'est la femme, celle qui m'a initié. Elle qui m'a aidé. Oh, tu reviens en arrière. Ok, papa. C'est que je. Quoi? Vous savez, tu ne veux pas parler? Si. On va t'arracher le micro. Pardon. Elle va s'exprimer. C'est qu'elle a vu qu'elle est venue ici là. Elle va dire. Non, l'espace aussi. S'il vous plaît. On a l'impression qu'on attend de te forcer. Oh, je ne veux pas qu'on rentre dans ce petit jeu de trucs là. Tu vois, quand tu, c'est comme ça que tu forçais. Oh, je t'ai démonté. Tu vois. Tu as écouté. Tu as écouté la vieille. La vieille, là, elle a fait plus de 3 semaines. Je l'ai fait les mêmes choses claires, nettes. Et puis on a progressé jusqu'à le Canary. Elle a été délivrée. Je me transforme en serpent. Okay, on a compris. Je vais transformer en plus. L'esprit te guide. C'est comme tu as déjà dit. L'esprit me guide. L'esprit me guide.
Et puis ça s'en va où? Oui, ma soeur Bille, j'ai dit son nom. Tu vas où? Quand l'esprit te guide? Je vais attaquer. Elle est où en ce moment? Dans la chambre? Elle est à la chambre. Donc tu rentres dans la chambre. Étant serpent? Oui, esprit. Il est en serpent. C'est un esprit. C'est un esprit en train de parler. Oui, papa. Okay. Donc quand tu arrives là-bas, quelle est l'action que tu mets maintenant? Où? Puis tu suces. Assez de pulls sur vos pieds la nuit avant de dormir. C'est tout le corps. Et quand tu suces, qu'est-ce que tu sens? Tu sens quoi? C'est le sang que je bois. Tu bois, ok. Et ça te fait quoi? Le sang. Ça vous fait quoi le sang dans le royaume de la sorcellerie? Quand tu bois, je bois, ça te donne la force. Ça te donne toi la force. Moi, ma force. Quelle force? Pour que je puisse avoir le pouvoir pour continuer. Tu as tué combien? Deux. Et tu as gâté combien de gens? Oui, il n'est pas encore gâté. Donc, ce n'est pas sorcier. Je suis sorcier, mais je n'ai pas. Si tu as tué, tu as gâté. Tu vois que je ne peux pas t'aider. Parce que tu ne peux pas avancer le processus. Il va avancer. On a déjà compris ça. Jusqu'à tu as dit le nombre de gens que tu as compris, tu as tué. Ça, on a dépassé ça. Ce chapitre-là, c'est à côté. Quels sont les gens que tu as gâtés? C'est ce qu'on vient entendre. Si tu arrives à tuer, c'est grave. Ce n'est pas gâté, qui n'est pas grave, qui va faire. Tu fais. Sorcier ne peut pas rester là sans gâter. Papa, il faut laisser pour toi d'abord. Oui. Laisse pour toi. Moi, on n'a pas fait là pour toi que tu as gâté. Là. Tu as fait quoi, dis-toi? Mon intelligence à l'école. Parce que au début, tu m'as élevé ma première idée. Parce que je lui ai donné mon intelligence. Si toi-même t'as donné intelligence, tu vas pour les autres, tu ne vas pas donner. Tu as gâté qui? Sera bien de te laisser. Hein? Ah. Oui, mais tu ne mets pas le temps, je dois prier. Tu as gâté qui? Tu as gâté qui? Comment tu gâtes les hommes, les gens, les garçons, tu les gâtes comment? Les garçons. Tu ne mets pas le temps? Les garçons. Quand ils viennent sortir, ils vont plus à eux. Yes. Oh, s'il vous plaît. Je sais, thank you.
Non, arrête de courir. Hein? C'est 5, je vois. Mais ils sont beaucoup. C'est 5. Mais pourquoi 5? S'ils sont beaucoup, tu dis sont beaucoup. Pourquoi tu dis 5? Dans les 5 là, ils sont toujours accrochés. Qu'est-ce que tu as gratté à la vie des garçons? Tu n'as pas envie de dire ça. Quand ils viennent, c'est là qu'ils fatiguent. Non, quand ils viennent, c'est fatigué. Non, non, okay, non. Attends. Quand ils viennent, ils ne vont plus. Donc c'est ça qu'il dit. Là. Ils sont tous là. Là. Non, elle ne peut pas me laisser. C'est moi, je les laisse. Voilà, avant de les laisser, tu as gâté quoi en elle? C'est ce que vous les laissez, tu gâtes quelque chose. Je veux savoir. Ce n'est pas le vrai amour. C'est un amour qui a un aboutement dedans. Et si toi, il s'accroche, que toi tu dis non, que toi tu vas dire merde, c'est que tu as gardé quelque chose, dis pas. C'est quel sorcier qui est gentil? Depuis quel sorcier est gentil? Cela n'est pas prêt pour nous. L'argent, je garde. Je prends l'argent, je commande, j'envoie dans le monde spirituel là-bas. Tu n'es pas sincère quand tu parles. Je dis, je prends l'argent, papa. Tu vas quitter devant moi, hein? Pardon, pardon. J'ai aidé les gens. Hein? Mais attends, vous t'aidez okay. Là, c'est sûr, on a oublié de forcer. Je prends l'argent, je mets dans le monde spirituel. C'est l'argent, à cause de l'argent, tu allais faire mourir les gens. Tu es malade ou bien, c'est l'argent, tu allais prendre. L'argent et puis le bon. Hein? Amen. Tu veux qu'il te pose les questions? Tu as fait la papa. Non, je. Non, mais tu trembles pourquoi? C'est pas dans le monde. C'est moi qui t'envoie ici. Je t'ai demandé, tu dis des sorciers, tu as parlé. Je dis, toi, tu as fait des sorciers, viens ici, tu ne veux pas. Je ne voulais pas te prendre. Tu dis non, tu veux parler. Maintenant, quand tu parles, il faut parler. Je les envoie. Je prends leur bonheur, puis leur argent. Bon, bonheur, là, c'est quoi? Puis l'argent, c'est quoi? Moi, il y a des questions, hein? Bonheur, là. Bonheur, c'est ne pas être, travailler, gagner ce qu'il veut. Donc le gars il vient, il fait comment? Je suppose qu'il vient te draguer. Maman, tu es belle, tout ça, je veux. Parce que tu dis pas non. C'est ça. Il ne s'est pas dit non. Si. Il dit. Hein? Comment tu dis que tu les envoies? Donc tu dis, bah allons-y. Chez toi, c'est où? C'est où? Non, tu habites où? À Beau. Ah. Ah ouais, tu es. Puis tu demandes au garçon, tu partais à l'hôtel, ouais, excusez-moi. Non, partais à la maison, chez lui. Ah, tu connais l'hôtel. Bon, à l'hôtel. Quand vous arrivez là, vous faites quoi? Comment tu prends le bonheur? Oui, justement. Explique-nous comment tu prends ce bonheur. Parce qu'il y a des gens ici. Souvent, on leur donne du travail, il n'a pas envie d'aller travailler. Ton bonheur a été pris par une sorcière. Tu l'as embrassé, elle a pris ça. Comment tu prends le bonheur? On prend le bonheur. Tu dis les paroles. Je dis. Je dis les paroles. Je dis, il ne faut pas y avoir bonheur. Maman qui est sur toi, c'est ça? Oui. Ok. Bien sûr.
Pour que vous compreniez. Vous voyez les questions. Ce que vous voulez poser, c'est ce qu'il pose ici. Souvent vous êtes là, vous tournez. C'est vos questions que vous voulez poser là, qu'il pose. Ce n'est pas qu'en cause. Voilà. C'est quand il est sur toi que tu prends. Comment tu dis ça? Parce que l'esprit qui a monté ses serpents. C'est les serpents qui. A fait des serpents, on a encore. Il est sur toi. Oui, il est sur moi. Le péché est sur toi. Il est sur moi. Mais c'est toi qui es sur lui. C'est lui qui est sur moi. Uh-huh. Comment tu dis? Excusez-moi. C'est des explications. Quand il est sur moi. Hein? Quand il est sur moi. Il est sur toi, ouais. Et puis, j'ai. Ça va nous aider. Ça va aider, hein? J'ai dit. Les yeux, les gens, les yeux sont comme la panne de ses yeux. J'ai dit, l'esprit. J'ai dit. Que je. Je réussis, je parle. Oh, le monsieur est content, il y a une femme. Une tentation dans mon cœur. Le monsieur est content parce qu'il a une femme. Oh, toi, tu vois autre chose. Tu l'expliques, fou. Bon, tu ne parles pas de choses qui est. Puis je fais les interventions, je prends tout ce qui est pour tout, toutes les choses, je prends tout. J'envoie le monstre de Dieu. Quand lui finit, tu as déjà pris quelque chose. Puis tu es parti, ça. Et puis un autre revient encore. Hein? Oui, papa. Mais qu'est-ce qui les attire vers toi? C'est l'esprit que moi tu les envoies. Comment? Je suis là, si un vient qui me laisse, demain l'autre. Non, c'est toi qui le laisse, tu as dit. Ok. Oui, papa. Quand je le laisse. Je suis très bien ce que tu dis. Oui, quand je le laisse, depuis que je connais, une personne ne m'a jamais laissé. C'est moi, quand je le laisse, et puis l'esprit envoie un autre. C'est toi qui n'as pas fini à lui, il est là. Dans ce que tu prends la chose. Allez, dégage. Dégage. Là, il pleure derrière la clôture. Pardon, les SMS. Je vous mets que le tuer. SMS. Allez, dégage. Elle a déjà pris. Maintenant, tu vas dire non, tu as renvoyé. Tu vois, tu dirais bizarre, bizarre. Flogo son. Donc, il y a beaucoup qui sont venus. Oui, papa. Beaucoup sont venus passer là. Oui, papa. Et tu as gâté. Oui, papa. Qu'est-ce que tu as encore à dire? La madame, il sait qu'il est tué. Elle, son esprit, est. Comment dire? Faux. C'est quand on l'a brisé. Comment dirais-je? Mais sur le feu, c'est comme ils sont en train de fichier. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle brûlait. Explique en baoulé, on va expliquer. J'ai dit quand on a brisé, fumé là. Et puis elle a mis sur moi, elle a mis plein de chair sur mon visage. Puis elle a dit, tu ne peux pas regarder quelqu'un où tu vas passer. Je n'ai rien compris. Oh, tiens, Baoulé. Là. Mais
Il a tué sa femme maintenant, ils l'ont brisé. Pendant qu'on l'a brisé, la fumée là, la noirci. La noirci, quand on fait la fumée qui sort là, voilà le charbon noir là, c'est ça on prend maintenant. Elle est où? Elle assistait pendant qu'on brisait. Oui, donc on prend le bois. C'est elle qui brisait. Maintenant, il Et toi, tu faisais quoi là, pendant qu'on l'a brisé? C'était barbecue, c'est ça? Oui. C'est barbecue. C'est le barbecue. Chacun dans sa part. Ouais. Donc, quand on faisait barbecue, la fumée. La fumée se dégageait là. Il y avait le noir. Toi, tu faisais quoi là? Pourquoi tu m'as dit là? Pour manger ta part. Hein? Dis-le. Maintenant, qu'est-ce que le truc a fait sur toi? Le cas par rapport au ministre, ça va. C'est elle. Qui elle? Il ne va pas prendre moi. Moi-même. Mais quand il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde. Ça me fait. Oh, les miens, allez. Ça me fait. 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 Tout ce qu'elle-même, ma tante, là, c'est qu'elle dit. Non, il faut dire ce que tu as fait. Toi, laisse ça faire des temps. Quelqu'un a fait ça. Ce que tu as fait. Elle dit qu'elle a tué sa femme. Tu l'as tué. Ça veut dire que tu n'as pas tué 5 personnes. Tu n'as pas tué 2 personnes. C'est 2. Ma soeur. Non, tu n'as pas tué Dieu. Tu sais ça? Moi, je vais te laisser. Tu sais, si tu es sincère, je vais savoir. Ça m'est parti. Hey, moi, j'ai un rendez-vous important dedans tout à l'heure. Le rendez-vous important, c'est lundi. Je dois aller prendre le visa pour voyager. Amen. Je reprends le travail le mercredi. Lundi, il y a trop de rendez-vous. Le mari s'est suicidé. Non, je n'ai pas dit, mais tu n'es pas sincère. Non, comment on dit, Non, bon. Non, on te force pas pour dire hein. Non. Quand tu venais ici, là, c'est pas pour la mesure. Non. Quand tu venais ici, je suppose que tu étais venu pour faire des aveux. C'est ce que moi je veux bien croire. Donc tu avais déjà l'esprit de faire des aveux. C'est pas ici que tu as oublié. Je t'ai dit bien, dit comment tu es retrouvé ici. Tu as expliqué. Chacun sait pourquoi elle est ici. Chacun sait. Toi, tu es venu, ce que nous on fuit là, toi, tu es ça. Les gens ici, ils ont fui les sorciers. Toi, tu es ça. Tu es venu en tant qu'une sorcière. Il y a des gens qui veulent venir pour être délivrés dans le sorcier. Toi, tu es venu, les gens, ils fuient les sorciers. Toi, tu es sorcier. Tu es venu en tant qu'une sorcière. Parce que, tu as vu qu'il faut qu'on te délivre ici. Tu es déjà parti partout, dans les coins. Beaucoup de coins. Dans les églises. Il y a eu quoi? Parce que tu n'es pas sincère. Il n'y a qu'à dire la vérité. C'est tout.
C'est nous, on t'a dit de dire ça ou bien. Non, non. Hein? Non. C'est moi, il t'a dit de dire ça. Mais tu sais ça, et puis tu me fatigues. Elle a beaucoup de choses à dire. Trop de choses à dire. C'est là. Bon, qu'est-ce que tu veux? On va te laisser. Tu as vu les deux vieilles. C'est les vieilles, on dit on va pas parler. Parler. En moins de 30 minutes, elles ont été délivrées. Or, si tu ne parles pas, ça ne peut pas t'aider. Et puis, on ne peut pas t'obliger à parler. Donc toi, on te laisse jamais, c'est toi qui laisse. C'est un dossier, hein? C'est un dossier. On te... C'est toi qui laisse les gens. Hein? Le garçon qui dit non, c'est une chasse. Et ça, ça fait mal hein, quand une femme dit un autre bas. Mais j'imagine. Tu ne peux pas dormir. On se connaît. Quand un homme dit une femme va. Ah. Non, il ne peut pas dormir. Bon, moi, je pense que je ne vais pas... Tu réfléchis. Si tu penses qu'on doit progresser, tout dépend de toi. Si tu penses que tu n'as plus besoin de nous, tu dégages et tu retournes où t'es quitté. Non, c'est de Jésus que tu as besoin, pas moi. C'est de Jésus que tu as besoin, pas moi. Moi, je suis rien. Toi, tu as besoin de Jésus, pas moi. C'est de Jésus que tu as besoin, pas moi. C'est de Jésus. Le feu, tu vas le libérer. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu. Au fur et à mesure, vous priez. Pendant que ta main est sur ta tête, il faut prier. Il faut commander au diable. Ne soyez pas distrait. Non, laisse, c'est son frère. Lâche-le. Je détruis tes œuvres. Si, je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Au nom de Jésus. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Si, je détruis tes œuvres. 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 Dans le nom de Jésus. Le feu. Le feu. Allez! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Qui es-tu? Qui es-tu? Si, qui es-tu? 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 Tu vas parler parce que tu es dévoilé. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Si, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Parle et libère le corps. Parle et libère son corps. Si, qui es-tu? Voilà, qui es-tu?
Qui es-tu? Si tu vas parler et libérer ce corps, tu vas parler et libérer ce corps. Qui es-tu? Le feu. Qui es-tu? Le feu. Tu as été dévoilé. Tu parles et tu libères sa vie. Lâche-le. Lâche-le. Allez, feu. Qui es-tu? Tu as été dévoilé, tu parles et tu les libères. Qui es-tu? Toi qui animes ce corps. Qui es-tu? Tu vas parler et le libérer. Toi qui l'anime, qui es-tu? Lâche-le. Le feu sur toi. Le feu. Tu vas parler et le libérer. Tu vas parler et le libérer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui. Écoute. Lâche-le. Que fais-tu dans ce corps? Que fais-tu dans sa vie et dans ce corps? Le feu sur toi. Le feu. Vous êtes fatigué, Consulte tes œuvres dans ce cas. Le feu consulte tes œuvres.
La puissance de Dieu. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tu parles maintenant. Tu parles maintenant. Tu parles maintenant. Maintenant. Que fais-tu dans ce corps? 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 Tu vas parler et le libérer. Tu vas parler et le libérer. Si, tu vas parler et le libérer. Tu vas parler et le libérer. Si. Que fais-tu dans ce corps? Que fais-tu dans ce corps? Tu m'attends? Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. 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 Comme tu ne veux pas parler, le feu sur toi. Hey. Feu. Le feu. Le feu. Le feu. La puissance de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez. Allez. Tu es dévoilé. Tu parles et tu dégages. Tu parles et tu dégages. Allez, parle, libère-le. Parle, libère-le. Oui, libère-le. Si, tu vas parler. Si, tu vas parler. Si. 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 Tu vas parler. Tu vas parler. Comme tu ne veux pas parler, le feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu consume dans ce corps. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Allez. Le feu. Allez, le feu. Le feu. Allez, le feu. Le feu. Allez, le feu. Allez, le feu. Allez, feu. Feu, allez. Feu. 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 Feu sur toi. Feu sur toi. Tu vas parler. Tu vas parler. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Consume tes œuvres dans ce corps. Consume ses œuvres dans ce corps. Consume tes œuvres. Tu vas tout suivre, mais il va rester. De Dieu agisse. Le prochain rendez-vous.